se retrouve pour ce tout premier Tagmania. Alors, Tagmania, c'est quoi? Ce sera une rubrique que vous retrouverez de temps en temps où je prendrai comme support les tags, parce que c'est vraiment un support que j'aime beaucoup. Et on peut en mettre partout, dans les junk, sur un bouquet de fleurs, dans une carte, sur un cadeau. Et voilà, je trouve que c'est un support en plus petit. Enfin, on peut en faire des très grands aussi, bien sûr. Et on peut s'amuser un peu dessus. Alors, dans chaque Tagmania, soit je vous montrerai une technique, un produit, un objet que j'ai trouvé ou chiné, un thème. Je pense qu'on peut s'éclater à l'infini avec, les tags. Voilà. Alors aujourd'hui, eh bien, on va s'amuser avec les embossing glaze de chez Timmols Ranger. Alors, il les a sortis quelques années. Je commence à en avoir quelques-uns. C'est une poudre d'embossage qui fait un effet transparent verni. Il est vraiment super. Moi, je trouve que c'est un super produit. Et c'est pour ça que j'ai un peu dépensé des sous. Je commence à en avoir quelques-uns. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? J'ai fait quelques prototypes et puis on va les refaire ensemble. Comme ça, vous verrez, c'est pas compliqué et vraiment, ça a un effet super. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez dans ma vidéo Scrap à thème, j'avais pris le thème The Endless Summer que j'avais décliné en junk, pas en junk, en carte et en... J'ai un trou. Et en... Art Journal, voilà. Alors, cette fois-ci, je l'ai décliné en tag. Donc, j'ai utilisé trois poudres à embosser différentes. Par-dessus, j'ai fait une découpe que j'ai également embossée. Et j'ai fait un essai de réembosser par-dessus de l'embossage. Alors, j'ai fait une petite erreur. On va voir si en le refaisant, on arrive à corriger cette erreur pour ne pas avoir l'écriture un peu pâteuse comme ça. Voilà pour le premier. Ensuite, j'ai testé sur deux papiers différents. Donc, sur un cardstock blanc et sur un cardstock crème. Et vous voyez que par transparence, la couleur change suivant le support. Donc là, la technique, ce sera faire un tamponnage, embosser par au-dessus. Pour le troisième essai, j'ai fait avec un pochoir ton sur ton, c'est-à-dire que j'ai utilisé l'encre et la poudre embossing glaze de la même collection. Par exemple ici, Salvage Patina, en encre, en Distress Oxide et en embossing glaze. Et l'embossing glaze, en fait, je l'ai mis avec un pochoir, ici, peau de serpent. Là, je trouve que vraiment le résultat, il est topissime. Voilà pour le troisième. Et le dernier, pour vous montrer que les couleurs se fondent entre elles, j'ai fait un tag plage où j'ai utilisé trois embossing glaze différentes, les trois là. Et en les faisant passer l'une sur l'autre, elles se mélangent. Et donc ça fait l'effet mer. Et comme c'est translucide, on croirait vraiment que le tag est mouillé. Et en bas, c'est du sable. Je vais vous montrer tout ça. Ben voilà, on se retrouve tout de suite. Pour vous montrer tout ça, donc j'avais reçu dans ma dernière Tonicraft Studio Kit un tag parmi les dies, donc je vais prendre celui-là pour faire ces tags. Donc j'ai coupé mes quatre supports, donc un dans un papier beige, enfin crème on va dire, légèrement texturé, et puis les trois autres dans du cardstock blanc, tout simple. Voilà. Alors, on va juste commencer par celui-là, même si on le terminera après, parce qu'il y a un temps de séchage pour la colle. Voilà. Donc, c'est parti. Là, on va prendre le cardstock blanc tout simple. On se protège un peu. Pour le sable, c'est du sable de mes vacances de l'année dernière, de la plage de Sainte-Barbe dans le Morbihan. S'il y en a qui connaissent, très jolie plage. Près de entre Carnac et Belle, si vous connaissez. Voilà. Alors, pour coller mon sable, je prends juste de la colle, la All Purpose Glow, là, elle marche très bien. Donc, je fais un bord pas très régulier.
Voilà, je mets le sable. Je vais secouer pour enlever l'excédent. Je tamponne un peu pour voir s'il y en a bien partout. Alors, il n'y en a pas partout. Donc, avec mon flacon de précision, je vais juste rajouter un petit peu de colle. Voilà. Et on va laisser sécher. Alors, pendant que ça sèche, on va essayer de faire ensemble celui-là. Donc là, j'avais fait coller sur un cardstock blanc la moitié d'un cardstock comme ça. Mais après, au tamponnage, c'est pas terrible parce que l'encre ne prend pas sur la jointure. Donc là, on va carrément le faire en cardstock beige. Donc on va à nouveau le faire style vintage. Et pour ça, je vais tamponner cette madame. Voilà, qui vient de cette collection. Hop là. Voilà. Et avec la Memento. Alors, je vais vous montrer ce petit truc que je me suis trouvé. C'est pour appuyer, parce qu'en fait, moi, j'ai un peu mal dans les poignets. C'est la vieillerie. Et ça me permet d'appuyer sans me faire trop mal en appuyant. Voilà. Écoutez, ça va suffire. En une seule prise, c'est bon. Voilà. On laisse sécher un peu. Et ensuite, pour avoir l'effet, je ne l'ai fait que sur un côté, mais là, je vais le faire partout. Pour avoir l'effet un peu vintage, je vais mettre, avant d'embosser, je vais faire le tour en vintage photo. Voilà, je vais ancrer tout le tour. Avec l'aide d'une feuille de protection, parce que si vous mettez de la poudre embossée sur votre glassmate ou sur votre tapis de découpe, et ben quand ça chauffe après, ça colle et c'est dur à enlever. Là, pareil, je vous donne une petite astuce que j'ai trouvée. J'ai pris des lames qui servent normalement à enlever la peinture sur les vitres. Et avec ça, même si vous avez embossé sur votre glassmate, et ben vous voyez, ça part. Voilà. Petite astuce au passage, vite fait. C'est parti. Alors, pour appliquer mon embossing glaze, eh bien, je vais en coller tout le tag avec ma Versamark. Et on y va généreusement. On vérifiait avec la lumière, la brillance, voir s'il y a bien de l'embossing partout. Parce que sinon, ça fait des trous, c'est pas super chouette, c'est pas super beau. Voilà, là, ça brille bien partout, c'est bon. Et donc là, c'est parti avec la vintage photo. On y va généreusement. Et là, autre petite astuce, elle colle un peu moins que les poudres embossées classiques. Alors, vous la soulevez, vous essayez de la soulever, comme ça. Il ne faut pas trop la tapoter. Il ne faut pas faire, vous savez comme on fait d'habitude, là, il ne faut pas faire. Voilà. Je récupère le reste de ma poudre. Voilà, j'avais repris un peu de réchauffer l'embauchage parce que par brillance on voit là où ça a pris ou là où ça n'a pas pris. Quand ça brille partout, c'est bon. Alors l'embossage, des fois il fait un peu comme ça, gondoler la carte, c'est pas grave. Vous prenez votre plioir et vous passez juste un coup derrière
et voilà, elle retrouve tout de suite sa forme plate. Voilà. Ben écoutez, c'est déjà fini. Alors, on va un peu la décorer. En haut, comme pour l'autre, j'ai mis une petite dentelle que j'avais trouvée chez Action pour attacher le tag. Et en bas, avec le pistolet à colle, juste deux petites fleurs en papier. Et voilà, notre première série de tags est terminée. Je trouve vraiment le rendu super. Pour cette deuxième carte, je vais utiliser trois poudres à embosser différentes. J'ai pas exactement les couleurs qu'il y avait sur l'affiche. Donc pour le orange, j'ai pris, c'est plutôt un rouge, c'est Crackling Campfire. Pour le jaune, j'en ai pas non plus en glaze, donc j'ai pris le Fossilized Amber. Et pour le rose, bon celui-là c'est le même, hein, voilà, c'est mon chouchou, c'est le Kitsch Flamingo. Voilà, c'est parti. Donc on prend notre tag en cardstock blanc. Et alors pour ce premier... comment vous expliquer ça? Alors on va faire... en plus je me suis trompée dans les couleurs, je viens de me rendre compte, on va le faire juste ce coup-ci. On va tester si les glazes se fondent entre elles. Voilà, alors pour ceci j'ai fabriqué... un petit cache comme ça avec un emporte-pièce rond et on va commencer donc par le soleil. Voilà, donc pareil, je vais le faire couper comme c'était sur l'affiche. Je le fixe un peu avec du washi tape. Je fais attention à ma ligne d'horizon et là je vais tester un nouveau produit que je viens de recevoir qui s'appelle le Embossing Dabber. C'est tout nouveau, donc celui-là je l'avais fait avec la Versamark. On va voir la différence. Donc alors, c'est marqué qu'il faut un peu amorcer comme ça. Ouais, ça fait comme un feu, comme un feutre, on va dire. Voilà. Je regarde si ça brille bien partout. C'est bon. J'enlève mes caches. Je change de papier. Ça, c'est un papier sulfurisé de cuisine. Et c'est parti. On commence par la jaune. On met. On fait glisser sans trop tapoter. On enlève un peu l'excédent. Voilà, je vais embosser. Je vous enlèverai le bruit, puis je vous mettrai tous en accéléré parce que ça fait du raffut. Vous voyez, ça brille et ça fait comme un peu texturé, des petites bulles. Donc, je ne sais pas si c'est cette poudre-là qui fait ça. On va continuer. Donc ensuite, pour embosser le bas sans toucher le, je vais y arriver, le soleil. Donc là, je mets comme ça. On va embosser le bas. Alors, c'est bête que vous ne sentiez pas. Mais cette colle, elle sent très fort la cannelle. Voilà, je ne sais pas si c'est fait exprès. Et donc là, on ne va pas se tromper. On va mettre le orange, enfin c'est plutôt rouge, parce que j'ai pas d'orange, en bas. Et j'embosse. Je vais vous la tenir un peu penchée pour que vous voyez quand on embosse, quand ça devient brillant, c'est là que ça a pris. Je
Voilà, bon, à nouveau cet effet texturé. Alors, c'est peut-être la colle. Sur l'autre, non, sur l'autre, ça me faisait pareil. Donc, c'est pas la colle, c'est la poudre qui fait ça. Voilà. Et la dernière partie. Donc là, je vais cacher, je vais mettre le rond sur le soleil. Je le décale un tout petit peu vers le bas pour que le bord du soleil prenne l'autre poudre. Et le bas. Pareil, je dépasse un tout petit peu. Je fixe le tout avec du washi tape. Et j'en colle. Et donc là, je mets mon kitsch flamingo. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, les couleurs se fondent vraiment entre elles. Ça fait un très joli rendu. Enfin, j'aime bien en tout cas. Voilà. Alors, comme pour l'autre, je vais mettre des petits surfs de cette collection. Je vais les découper dans une chute de papier noir. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai fait mes deux découpes. Alors, sur l'autre, j'avais embossé avec une poudre transparente holographique. Là, je vais tester autre chose. Je vais prendre une poudre orange pailletée de chez Stamp and Douce. Alors pareil, ce sera une première, je ne l'ai jamais testée. Alors sur le noir, le orange ne sort pas vraiment. Il faudra que je la teste sur du papier blanc. Mais bon, ça fait rien. Pour notre projet, ça va très bien. Voilà. Et on va donc juste les coller. Donc comme pour l'autre, j'en mets une collée directement et l'autre, je mets la coller avec de la mousse 3D. Voilà, alors sur l'autre, j'avais fait ce petit sentiment Happy Summer. Je vais essayer de le refaire et je vais voir si en mettant d'abord un peu de tampon antistatique, on a moins de patouille. Donc j'utilise l'embossing powder black de chez Ranger. Eh bien écoutez, oui, je trouve que c'est concluant d'avoir mis un peu de talc. Vous voyez, l'écriture, elle est beaucoup moins épatée que sur l'autre. C'est plus net. Voilà, encore un petit truc qu'on vient de découvrir ensemble. Pour terminer la déco, un petit ruban et ce sera tout pour celui-là.
Voilà, notre deuxième série. Pour celui-ci, c'est un peu mon chouchou. On va utiliser... alors, je n'ai que deux embossing glaze qui ont les encres qui correspondent. En fait, ce sont les deux derniers que Tmall a sortis. C'est le Kitsch Flamingo et le Salvage Patina. Où c'est que je l'ai mis? Et les encres qui correspondent. Kitsch Flamingo. Et Salvage Patina. Voilà. Alors, je vais utiliser un autre pochoir et une autre découpe pour que ça change un petit peu. Donc, pour faire ceci, il faut d'abord faire un fond. Pour celui-ci, j'ai choisi un pochoir qui fait des effets de reflets sur l'eau. Et j'encre. J'encolle, je veux dire. Je regarde bien que ça brille partout. C'est bon. Et donc, je vais appliquer la poudre correspondante sur la couleur correspondante. Donc, je vais embosser un après l'autre. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ça a collé partout. Avec l'autre, j'avais collé avec la Versamark. Et là, avec le Distress Embossing Dabber, mais j'ai l'impression que c'est trop liquide, ça a sorti du stencil. Bon, on va voir avec le bleu. Sinon, pareil, bon à savoir, vaut mieux utiliser alors la Versamark avec les stencils. Ouais, ça fait pareil. Donc, plutôt la Versamark avec les stencils. Que celui-là. C'est pas grave, on fait des essais ensemble. C'est comme ça qu'on apprend. Et on embosse les deux encres en même temps. Voilà le résultat. Donc du coup, ça fait des patouilles. C'est pas grave, ça fait un style. Pour terminer la déco, j'ai découpé à l'aide de ce dies bambou en papier argenté que je vais coller dessus et rajouter, comme pour celui-ci, un petit ruban et ce sera fini. Et voilà notre série avec les stencils et couleur ton sur ton. Et donc, pour le dernier, vous vous souvenez, on avait démarré pour que ça sèche. C'est presque sec, mais bon, ça devrait aller. Alors, j'ai fabriqué, j'ai découpé dans du papier une forme de vague pour que ce ne soit pas des traits vraiment claques comme ça, qu'on a un effet un peu de vague. Voilà, donc on va en coller. Au fur et à mesure. La colle n'est pas tout à fait sèche.
du sable. Je ne sais pas si je pourrais faire comme l'autre. L'autre, j'avais laissé sécher 24 heures et du coup, j'avais passé la Versamark sur le sable pour que le glaze colle sur le sable. Là, je ne sais pas si je vais y arriver parce que je vois que le sable n'est pas tout à fait sec. On va voir. Donc là, pour la première couleur, j'ai utilisé Speckle Aigle. Bon, on va un peu changer. On va mettre la Salvage Patina en premier. Vous voyez, la colle n'a pas pris. C'est pas grave, on va un peu en mettre comme ça. Et je fais commencer par sécher un peu par en dessous du coup. Alors, je ne sais pas si vous voyez, comme c'était pas sec et que j'ai soufflé, la colle elle a gonflé. Bon, ça fait un effet. On fait des expériences. On y va pour la deuxième couleur. Donc là, je vais utiliser Broken China. Et la dernière, Speckle Egg. Et voilà. Alors, comme ici, j'ai collé des petits coquillages à l'encre chaude. Ce sont les bocaux de coquillages que j'avais trouvés chez Action. Je crois qu'ils les ont encore, c'est dans le rayon jardinage, il me semble. Et pour un peu plus de fun, comme ici, je vais mettre un petit ruban à sequins que j'avais également trouvé chez Action. Je vais le coller hein, parce que le trou là, il est vraiment trop petit. J'ai essayé avant et ça a craqué. Donc je colle. Comme ça, j'ai les paillettes les deux du même côté. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je trouve que c'est vraiment un procédé très amusant et qui donne de super résultats. Alors j'aimerais aussi, j'en profite, souhaiter un très joyeux anniversaire à Karine, alias Madame Paillette. Bon anniversaire Karine, et puis je te dédie cette vidéo. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Pissomme!